Et salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Borderlands 3. Python va tester ma bagnole d'ailleurs, avec les pneus. Faut que tu... Ouais, faut que tu fasses un gros drift. Ah, c'est celle-là? Ouais, celle, regarde les pneus. Tu vois pas que c'est pas les mêmes? Ah oui. C'est quoi le frein à main? C'est espace, faut que tu restes appuyé longtemps. Oula. Ouais, t'as vu là, on dirait une voiture de drift. Non mais fais ça en ligne droite par contre, parce que sinon... Oula, qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? On a une quête, hein? J'ai freeze? Non, c'est bon. Je sais pas ce que tu fais. Je sais pas non plus. Vas-y, fais un drift en ligne droite, là, en ligne droite, ligne droite. Mais non, mais... Ouais. Appuie sur espace! Juste appuie sur espace! Reste appuyé sur espace! Attends, je reste... Tu vas tout droit, reste appuyé sur espace! Et après tu relâches quand les pneus ils deviennent rouges. Et ils sont rouges là, attends. Bah, pas pour moi en tout cas. Pour moi ils sont tout rouges. Et lâche. Tu restes pas appuyé assez longtemps je pense. Donne, non, je vais te montrer au pire. Attends, c'est... Oh, je connais pas la touche pour switch. Regarde quoi. Donc là, hop, tu vois, tac tac tac. Les pneus ils se chargent. What? Bah ça marche plus. Ça cale. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ou alors faut dépenser du nitro avant peut-être. Hop. Mais... Non mais attends, c'est... Mais je le faisais tout à l'heure. Ou du nitro pendant. Non non non, je le faisais tout à l'heure. Mais c'est quoi cette merde? Ouais bah ça marche pas, c'est bizarre. Peut-être un bug. C'est peut-être un bug. Non, 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 ça n'a rien à voir. Bon, ok. Bah, voilà, c'est pas de ta faute. Je pensais que t'étais bête, mais non. Ça va, ça va. Ouais, ça va, je suis rassuré comme ça. Je vais essayer de monter dans une parabole. Merde, c'est pas grave. Alors, trouver Ouktak. Ça, c'est un nom d'orc, ça. Oui. Coucou. Là, il y a un... C'est quoi? Ah non, c'est juste des ennemis bizarres. Là, on peut sauter, il y a une maison. Tiens, tiens, tiens. Petite maison avec un coffre au fond. Quelqu'un a ouvert ce coffre? Ouf. Fusil à pompe bleu. Qui fait de l'incendiaire ou de l'électrique, mais il est très blanc. Hein, putain. Et là, ça continue. Vas-y, bah, c'est qu'on va explorer. Hein. Là, il y a un plongeoir du suicide. Saute pas, tu vas mourir instant. On prévient, hein, parce qu'avec Python, ça peut, ouais, vite... ça peut très vite dégénérer. Y'a quoi derrière? Y'a rien. Get, hein, si tu trouves... Tiens, y'a un chiot là. J'ai repéré un coffre. Get, si tu vois... Ah bah si, top. Putain, je vais pas arrêter. Si tu vois, qu'est-ce que tu es censé voir? Ah oui, des enregistrements là, parce qu'on en... ça fait longtemps qu'on en a pas trouvé. Oh, Ouktak. Oh, c'est quoi ça? Oh, y'a un coffre. Putain, on l'avait même pas vu tellement c'est imposant. Il vient me péter la gueule à cause de toi. Fusil à pompe, nul, et fusil à pompe. Tu regardes pas ce qu'il y a dans le coffre? Si, si, c'est du vermeuleux. Ah, ok, ok. De ping. Comme ça les ping. Attends, le ping comme ça. Repousse-les, chasseurs de l'arche. Non, je l'ai fait en premier, je l'ai fait en premier. Je te promets que je l'ai fait en premier. Je l'ai fait en premier. On y va en même temps. En même temps, on peut pas. Bon, tuer les DDA. Ok, bah faudrait qu'ils viennent en fait. Ah, ils sont là. Ah oui, le décor destructible. Enfin, un petit peu destructible. Ça
C'est pas encore Battlefield ni Rainbow Six, mais ça progresse. On est passé de zéro destruction à un petit peu de destruction. Putain, il arrache là le mec qui est en haut. Ouais, c'est un brutal. Singe! Il veut jamais te soigner. Hein. Ah, j'ai pas encore la capacité de lancer les grenades quand je suis à terre. Putain. Tu lui as fait sauter Bamba. C'est du vert. Là, il frague, il poutre, c'est un gamer. Seigneur des Skags! Oh là là, il va y avoir une embrouille avec Python! Regarde, regarde, il s'appelle Seigneur des Skags! Attends, 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 faut qu'il vienne là. Ah, y'a un shot ici. Avec pas du vert. De blues. Et ils sont sérieux. De quoi j'ai pas écouté? Il y a un mec qui s'appelle Jamil de Blues. Oh putain. Ah s'il a... Eh, s'il lui manque une main, c'est... Ah, c'est énorme. Ah ce serait énorme putain. Ok, bon, donc ça... T'as pu t'en passer, hein. Champagne prout, lolilol. Oh putain, sa tête elle a explosé. Ils sont où, rapide. Voilà. Et encore un gros. Ah non, c'est pas un gros. Il est en bas. Il est en haut. Heureusement que c'était branché pour autre chose. Oh, t'imagines on gagne un bouclier de ouf? Peut-être, peut-être. Je vais aller là-bas. Ouais, ouais. Le jeu, il doit aller tellement plus vite quand t'es 4. Oui. C'est pour les objectifs comme ça et tout. Même les objectifs de livraison. Elle bouclie. Oh là là, t'as vu comment ça charge? Regarde les tuyaux. Eh, à mon avis, le bouclier va être bien chargé là. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Que doit-on faire? Oui. Yes. Mec, t'es trop rapide pour lui, je crois. Ok. Bah voilà. Ah, c'était ça. What? Mais il veut quoi lui? Eh hey, gros gros gros. Sérieux? Vas-y, je te laisse. C'est un fusil d'assaut, ça? Ah non, c'est une carabine. Yes. Parlez à Ed Grain. C'est où, ça? C'est, okay, c'est chez Roland. Je crois qu'on a plus de... Ah, il parlait à Tina. Ah bon? Parlez à Tina? C'est où? Ah, c'est... Ah oui, c'est vrai, c'était la, l'autre quête. Ok, on va aller rendre les connettes et on va faire la quête de Tina. Attends, je vérifie. Ouais, c'est bon, putain. J'ai eu un doute. Oh non. Seigneur. Non, c'est bon. Non, j'ai cru que j'avais pas record, là. Je sais pas, j'ai eu un doute là-dessus. Et après, j'ai cru que mon jeu avait crashé. C'était très stressant comme situation.
En vrai, on peut se dépêcher. Je sais pas pourquoi je me fais chier. Voyage éclair, s'il te plaît. Voilà. Je vais faire respawn la voiture. On va voir si les pneus ils fonctionnent ou pas. Alors, parler à Elgrain. Yes. Ah, mais la voiture. Bon, en toute transparence, chasseur de l'arche, je comptais pas me remettre au pro gaming. Mais t'es où, toi? J'ai pris de l'âge, j'ai pris 14 ans. Aujourd'hui, je gagne ma vie en minant des bécocos frites. Et là. C'est une crypto-monnaie, rien de ouf. C'est cool. Pas le temps de t'expliquer comment ça marche, mais maintenant que ma bande passante a repris du poil de la bête, je vais être pété de thunes. Merci, chasseur de l'arche. Je vais me faire tellement de fric avec ma crypto-monnaie. Du coup, tu veux bien me débarrasser de tous ces vieux billets tout pourris? Ah oui. Comme si j'allais en avoir besoin. 15 000, sniper rare, très rare. Hyperion. On n'arrête plus le champion. Attends, je vais le test juste pour rigoler. Oh, un sniper épique. On a pas de viseur. Oh non, mais le sniper, je l'ai vendu vu que j'étais en train de vendre mes trucs. Il a une bonne cadence. Après, moi je l'ai, hein. Mais par contre, il n'y a pas de viseur dessus. C'est un sniper sans viseur, donc c'est un peu bizarre. 242, le mien il fait combien? Oh non, mais il fait 383 quand même. Alors, Tina. Boum 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 town. On peut stepper sur le baroudeur, ça va nous avancer un peu. Ouais. Ah, il y avait un enregistrement ici, on l'avait pas vu. Repère. Attends, repère s'il te plaît. Voilà. Je suis dans le véhicule. On se change de bagnole. Putain, il fait mal le cyclone. Attends, c'est par là. Ici. Ok, je suis passé à travers. C'est des méchants. Mais pourquoi je suis fusil d'assaut? Voilà, non. Aïe. Complètement explosé. C'est bon, j'ai. Ah! Que j'ai refermé ma fiche de la centrale. J'ai affronté des meutes de Skag et joué aux échecs contre la reine des Iminoctères. Il y avait un cop. Ouais, je m'en doute. Pour moi, je vois que du vert là, donc. Salut! C'est à côté, non? Ah non, c'est vrai que c'est en dessous. Attends, on va tester là. Hop. Putain, mais. Ou alors faut drifter. Genre pour de vrai. Ah, tu vois, là ça l'a fait. Bizarre, hein. Ouais. Pardon. Faut rester appuyé longtemps. Et là, ça se recharge direct. Ouais, je comprends pas. C'est vrai que Tina elle est ado, putain je m'attendais à voir la petite encore. Oui c'est vrai. Mais malheureusement Miss Boom du bas s'est coincée. Je m'en rappelle plus comment elle est. Pilonner la bombe. C'est-à-dire. Ah! Putain, mais
C'est un objectif. Flash. Et bah ouais. Dredium là-bas. Merde. Va falloir employer la manière forte. Minus, tu vas devoir descendre dans le tunnel et tirer sur la mise jusqu'à ce qu'elle explose. Ok. Mais ça veut dire qu'on va devoir ouvrir le tunnel, non? Il est rempli de descendants. Je sais ce que je fais, alors obéis. Ah, DDA, c'est pour descendants? C'est pas les DDA qui vont nous faire peur. Trop fastoche, mon slipper. Parlez à Brick. C'est parti, mon grand. Ah, il s'est lié avec cette tête-là. Ok, alors c'est parti. 3. Oh putain, l'enculé. Il fait perdre du temps. Ah, cette guerre. What? Hop, il décroche. Il est où? Il est de l'autre côté. Ah, il est écrasé. Oh non. Vite, chasseur de l'arche! Mordecai est en danger! On y va! Ouais! Regarde comment il court! Il court vite, mais lentement, c'est très bizarre. Vous croyez qu'on appelait la base la forteresse? Attends, je vais voir là-bas. Con comme une nouille. On va l'appeler Boomtown! Parce que. Ah, il y a des écrits iridiens, attends, je vais les afficher sur la carte. J'ai déjà fait un panneau. Je vois pas pourquoi ce serait toi qui. Enfin, je pense que c'est ça, ça ressemble. Ouais, c'est ça. Ça veut pas se mettre sur la map, je suis dégoûté. Adorable quand vous vous disputez. Allez hop, on va sauver Boomtown. Faites-moi alerter. Ah merde, je suis sur Mordecai. Faut qu'on sécurise notre territoire. Montre-leur ce que t'as dans le ventre. Ouais, éclate-les. Je vais mettre 85, 35, parce qu'elle est. Oh, t'es une vraie dynamite. Besoin de la voiture, non? Ouais, un peu, on dirait. Quel est ce slide? J'suis là! Oh! Ah, mais c'est à toi ça? Ouais, ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Bombe de Tina? On doit la détruire? Je comprends rien. Oh, y'a un gros, un fanatique brutal! Is dead. Il est là. Qu'est-ce je crois que c'était les derniers. Bon, on peut aller tout en haut là. La forteresse est sécurisée. C'est quoi, il fait quoi lui? Boomtown. Ah, pour Flake, venant d'attaquer le Flake Iridien, attire tous les ennemis. Parle à Tina, s'il te plaît, je pense que je suis à l'objectif principal. Ok, donc là normalement c'est bon. Grâce à mes superbes prouesses explosives bombastiques. C'est fait. Ok, bah on améliorera ça là, le truc principal. On les a bien défoncés, chasseurs de l'arche. Pour les prochains levels. C'est top. Et du coup là on peut grimper là pour rien en fait. C'est top. C'est top. Attends, attends. C'est top. De quoi? Mais je croyais que c'était un petit truc entre nous ça. Ouais, Mordi, on te dit non. Oh, toutes les quêtes. Mordecai. Cool, monsieur Zozio. Des quêtes là. Pendant ce dame. Elle veut pas que je lui parle. Tina, on veut te parler. Salut. En fait, faut qu'ils aillent se poser et puis après ce sera bon. Voilà, c'est bon, Mordecai. Mordecai vous convie à l'anniversaire d'une petite fille, vous serez carrément l'invité d'honneur. Hey, chasseur de l'arche, tu veux bien venir à une fête d'anniversaire avec moi? La gamine s'appelle Grace. Hey, l'ex de Tina veut pas lui rendre son petit chouchou, Enrique 4. Oh, regarde! T'avais pas vu ça. Oh! Donc, j'avais besoin de quelqu'un pour garder mon chou qui est d'avant tout. Ouais. Enrique, quatrième du nom. Et j'ai cru que ce serait une bonne idée de le confier à
Shiga, mon ex-sexy. Sauf que là, elle refuse de me le rendre. Ah donc, mais Tina est lesbienne. J'ai une grosse déprime en ce moment, rapport au fait que j'ai laissé tomber son cul fripé. Mais du coup, elle se raccroche au doux calinou de mon Enrique. Alors, tiens, on prend ce joli petit cœur décoratif et on va aller récupérer mon skagounet. Ok, super! Maintenant, rends-toi à la casa de Shiga! Et ouais, on la fera exploser de joie! Ouais! Ah, ok, ça va, c'est bon, sur non, la non, zone. Je voudrais être l'autre de la bonne humeur pour changer. Développement de personnage, ma couille! Récupérer les fleurs. Ma couille. Ok, les fleurs, c'est là-bas. Mais bon, bah, on bon, va faire Tina. Je récupère mon Enrique. Hop. Je zigouillerai le monde entier pour son affaire. Et puis je me suis fait la promesse de plus jamais perdre un Enrique. Oh, pleure pas, Tina. Parce qu'Enrique 2, le pauvre, s'est fait bouffer par un skag plus gros et... Waouh, relou. Et puis, Enrique 3, lui est mort chez le maraîcher bio. J'ai pas envie d'en parler. Mais disons juste que tu me croiseras plus jamais avec une patte à bien. Je n'arrive pas à charger les roues. Eh bah si, mais à la fin. Ça m'énerve. Je savais qu'il y avait un truc pas net. Sûrement tous ces délires de secte. Ok, recouvre-moi tout ça avec mes cheveux de petit cœur. Et du coup, il fait quoi ce pet ton skag? Il attire tes ennemis sur lui. Ah, yes. Après, tu lances des grenades. Faut pas se prendre la tête, même si Shiga part en cacahuète. Heureusement qu'il m'aide, Anthony. Hein. Putain, qu'est-ce qu'on ferait sans lui? On va voir si les cœurs arrivent à remonter le moral. En train de sauter de partout. Du balai, rapace! Je suis pas d'humeur pour les sacrifices! Et remballe tes cœurs à la con! Tu piétines le lien d'amitié sacré qui unit une fille à son animal. D'accord, sacrifice quand même! À l'attaque! Je suis l'escalier. Ouais, ok. Prends-moi mon Enrique d'amour! Et je rappelle mon architecte paysagiste radical, ok? Tous les skags que t'as adoptés ont crevé! Bon, va falloir prendre des skies un peu plus solides, hein, si tu veux m'impressionner, là. Elle a vraiment... Ok, j'ai tout fait pour régler ça à l'amiable. Mais là, cet aspect va prendre cher. Elle va prendre cher. Quoi? Là, cet aspect. Oh! Stylé. Allez, entre et retrouve mon adorable petit chou à la crème. Enrico, le mort. Attends, c'est des... Des skags. Elle torture les skags. Pyrénées en béton. Vous voyez les cages à la recherche des nouveautés. Skag Alpha. Ah ok, ça va être ce genre de... Nice. Ce genre de quête. Skag Alpha. Enrique, faudra pas le fumer. Enrique! Ah bon, on peut pas le filmer. C'est bloqué. Ah oui, tout est bloqué. Okay. Il est où le lien? Il est rose le tien. Va chercher des gourmandises pour mon petit bouchon, ok? Ok. Nourrir Enrique. Par ici, quadrupède. Nous venons briser tes chaînes. Vilain, Enrique! T'as dit quoi là? C'est pas un vilain, c'est mon biquet! Il est stylé lui aussi! Vilain, vilain skag! Le tien, on dirait les coquillages, tu sais, qui ont des. Ok, ça suffit! Enfin non, plutôt. Les guéridiens, il y a de l'iridium sur lui. Oh, on dirait un mur, tu sais, avec des moules dessous. Ah, il y a Shiga. Shiga. Ah, les roses un peu, attends, je vais regarder. Mais non, mais je veux tout regarder! Je veux voir à quoi tu ressembles, Shiga. Okay. Ça va mieux, merci. Et Shiga. Laisse-moi la tuer. Oh!
du violet. Oh putain, lance-roquette. Elle, elle drop son lance-roquette. Pour toi, elle a drop son lance-roquette aussi ou pas? Il y a un truc violet par terre. Ouais, c'est bon. Ça. Ah ouais, 335. Ouais. 351. Et par contre, ah ouais, c'est abusé. Tir avant casse 30. Dégâts des armes moins 49%. Ah putain, me passe pas devant toi. Fais voir un peu. Chargeur illimité. Putain. Oh oui. Ok, 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 c'est pas mal. Par contre, ce délire de dégâts des armes moins, c'est pourri, ça. Faut tester. Double penetrating, gratifying stranger. What the fuck? L'étranger, double pénétrant, gratifiant. Très bien, très bien. Ainsi soit-il. Hop, voilà. J'étais en train de mettre mes armes au goût du jour. Ok, ouvrir la porte de derrière. Ah bah ça, ça on sait faire. Hop. Tu risques plus rien, Enrique. Ah, viens voir maman. Maman t'attend. Oh. Anthony. Un coffre là. Oh putain. Tu l'avais même pas vu. Sniper, bleu, vert. 347, et le mien il fait... 532, mais... Il... Je crois que c'est un truc blanc. Full dégâts. Tiens, je te drop. Je pense que c'est full dégâts. Oui. Allez pas me chercher. Attends, on va tester ce lance-roquette. Putain, il est où? Ok, voilà. Ouais, je préfère le singe quand même. Vous avez vu combien j'en ai buté? Bah, j'ai pas l'impression qu'il aggro de trop, hein, si c'est sa compétence. Ouais. Alors que le singe, par contre, il est pas mal le lance-roquette. Attends, y'a peut-être un TP pour Tina, non? Je crois que c'est pas sûr. On est bientôt là, non? Ouais, on y est bientôt, mais bon. Ouais, y'a un TP, c'est bon. Oula, oula. Réponds-moi, c'est qui le plus mignon? Elle est dégénérée. On vit une sombre époque, camarade. Où les amis se transforment en ennemis. Oui, j'ai pas dû en prendre beaucoup. Ouais, pareil. Ça, je vais le garder, je vais le mettre. Ah bah non, j'ai plus, j'ai rien en passant. 10 000 dollars. TP dans la voiture. C'est qui le plus choupi? Oui, c'est pas qui est ici. Voyage éclair. C'est bien, ça nous avance. Quand t'es 4, en vrai, quand tu sais que tu vas faire plein de quêtes dans une zone, tu mets une voiture dans chaque coin de la zone. Ok, bah faut cueillir. Je sais faire ça. Commencez par des tout petits orteils, avec des tout petites épices, et une toute petite réduction balsamique, et je vais te mettre dans un tout petit four. Ouais, attends, il y avait un... Ah non, c'est la voiture. Et puis je vais te dévorer tout entier. Oui, malade. Pourquoi je veux toujours manger les trucs mignons? Qu'est-ce que t'as pigné quelque chose? Ah non, t'as récupéré une fleur. Mais arrêtez de me sauter dessus! Je suis presque à la fête! Je voulais arriver tôt pour abattre des racks avec Grace! Apporte ses fleurs, la petite les adore! Tout en haut là, il doit y avoir quelque chose! Je vois ça! Moi aussi! Je vois ça! Il y a un enregistrement! Yes! Une nuit pendant ma crise de la 50. Et dans la maison, y'a rien! Ouais. Je repensais à la reine Tito! Je me suis fait la réflexion
Et on est à 30 minutes, donc parfait, on fera un petit épisode pour le prochain. Donc merci d'avoir regardé et on se retrouve dans quelques jours pour la suite. Salut.